Voilà, peuple de Dieu, bonjour à tous dans la présence de Dieu. Encore une fois, je remercie le Seigneur pour la grâce qu'il accorde moi, qui m'a capable d'exercer mon ministère à apôtre la parole de Dieu. Je crois fermement, sans aucun doute de mon équerre, qui parmi tant d'autres, et gloire à Dieu, il y en a beaucoup à l'île Maurice, moi, je suis ministre de l'Évangile et je voulais accomplir mon ministère fidèlement. Alors, je les accueillir et souhaiter une bienvenue, même à distance, à tous nos frères et sœurs de l'île Maurice, de la Voie de la Délivrance et de toutes les autres églises, ceux de la Réunion, de Rodrigue, d'Agalega. Je ne pense pas qu'il y a un Mauricien, Madagascar, qui est capable en communication avec nous concernant YouTube. Ceux de la France, de l'Angleterre, l'Australie, Canada, et autres parties du monde, donc, que le nom de Dieu soit béni. Comment m'a-t-il annoncé d'avance? Moi, pourquoi ce matin, comment nous capables vivre et profiter tous les bienfaits, les bénédictions du royaume de Dieu? Et avant qu'il nous aille plus loin, laisse-nous dire, bon Dieu, merci pour ce parole. Seigneur, mon loue et toi de ce qui te parole, jamais les retourne à toi sans effet. Mon loue et toi de ce qui te fait de moi un ministre de la parole. Et moi, les Seigneurs, oh Dieu, administrer tes paroles, divise-les droitement. Explique-les clairement. Pas par mon propre la force, par l'onction du Saint-Esprit. Parce qu'il m'a confessé, Seigneur, qu'il te fait un mois du Saint-Esprit de force pour annoncer la bonne nouvelle. Merci pour la parole de la grâce, la parole de la foi, la parole du royaume, la parole de notre salut, la parole de la justice, la parole de Dieu, qui a la puissance pour guérir nous les corps et nos âmes, et pour instruire nous donc, pour nous dire bien. Te fin de nous un léquet pour comprendre, les yeux pour trop clairs, les oreilles pour tendez. Je prie ce matin, Seigneur, que tous ceux qui à l'écoute de ma voix, je te bande bon terrain. Aucun oiseau du ciel n'a pas pour capable qu'aucun cette semence. Et encore, Seigneur, aucun tracas de ce monde, aucun buisson de ce monde n'a pas pour capable étouffer cette parole. Mais je crois que je te l'équerre, c'est un bon terrain. Je te recevoir cette parole avec un équerre honnête et bon. Je te crois là-dedans, je te persévérer, je te porte beaucoup de fruits. Mon loué toi parce qu'il nous peut continuer à confesser, qu'il nous mord de toute la grâce, dans la bonne santé, sous ta grande protection et dans la grande abondance. Nous pouvons continuer à dire que Jésus-Christ, c'est le Seigneur de toute la vie. Et Jésus-Christ est le Seigneur de toute l'île Maurice. Amen. Le passage qui m'a pu choisir pour commencer, je le trouve dans Jean, le chapitre 3 et le verset 3. Il dit ceci, Jésus lui répondit, lui c'est Nicodème. Le Seigneur rappelle nous-mêmes que Nicodème c'était un pharisien. Un pharisien c'était quelqu'un qui connaissait jusqu'à Malachie, presque par cœur. Et pourtant nous pouvons trouver donc, malgré ce connaissant de l'Ancien Testament, il y a quelque chose qu'il n'est pas tu connais. Jésus-Christ même pour y aller, tout un enseignant en Israël, un docteur, et tu n'as pas connu ça quelque chose là, cela veut dire que nous, nous besoin bien connu ça bonne affaire là. Qui nous peut causer là? Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis. Moi, tu es content, souligne un petit coup donc, quand Jésus-Christ ou bien quand n'importe qui juif dire en vérité, on peut redire, il cite un nom ou bien quelque chose dans deux fois. Ça veut dire, il peut dire, donne-moi ta double attention. Mon besoin te comprend moi bien là. Pareil comme elle dit donc, eh bien, en vérité, je vous le dis, concernant transporter les montagnes, vous voyez, et puis il dit morte, morte, etc. Il peut attirer l'attention, dit mon là, au maximum. En vérité, je te le dis, veut dire, prends compte, sérieusement compte, c'est qui m'a peut dire toi. Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Ah, ça c'est un... Et pourtant, je te connais, la question n'était nullement sur le royaume de Dieu et n'était nullement sur la nouvelle naissance. Nicodème, il se posait une question, comment est-ce qu'il n'est capable de faire un miracle? Comment tu peux faire? Au moins qu'il bondit avec lui. Là, Jésus-Christ, il est comme ça, donc, eh bien, le secret
pour trop de miracles. Et le secret pour Dieu d'être avec nous, il trouve dans le fait qu'il a nos besoins nés de nouveau et nos besoins voir le royaume de Dieu. Le moment où nous naissons de nouveau, et mon plissier qui, qu'est-ce que 98% bande du monde qui puis écoute-moi, je dis ça, né de nouveau. Mais ça, c'est le premier pas. Est-ce qu'on peut trouver le royaume de Dieu? Ah, qu'est-ce que cela veut dire, trouver le royaume de Dieu? Bon, quand on a cette traduction qui dit comme ça, donc, they will perceive, he will perceive the one born of God. Celui qui naît de nouveau, et pour percevoir the sovereign influence and activities of God. Ah, nous vous trouvez là donc jusqu'à quel point Dieu lui envie influence nous la vie, bien sûr, positivement, dans les bonnes choses, hein, d'une façon souveraine, d'une façon surnaturelle, d'une façon bénie, d'une façon céleste, and activities of God. Non seulement nous pouvons percevoir veut dire voir, regarder, constater, comprendre par les yeux de notre esprit, pas par nous l'intelligence. Et surtout, nous trouvons les activités de Dieu. Il est impossible pour naître de nouveau, pour vivre dans le royaume de Dieu, vraiment, sans qu'il vous trouve bon Dieu actif, sans qu'il vous trouve lié à l'œuvre. Il y a un peu pareil donc au pays, dans, pas dans le royaume de Maurice, dans la République de Maurice, mais au capable de trouver tout ce qui passe à l'île Maurice. Ce température, cela plus ce soleil, comment dire, ce temps tropical, et ce ban de légumes, ce ban de fruits, etc., etc., etc. Vous voyez? Alors, savoir cela, l'étier clair, mon lisier, d'une façon extraordinaire, les activités de Dieu. Car dans le royaume de Dieu, où vous trouvez bon Dieu actif, les poids à l'œuvre, voyez, et où tu connais quand Dieu a l'œuvre, il fait ben miracle. Alléluia. Vous pouvez lire aussi donc, eh bien, le verset 5. Jésus-Christ continue, explique ce qu'il commence à expliquer au verset 3. Il redira donc, en vérité, je te le dis, il redira en vérité, si un homme mené de haut esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Vous pourrez tourner ce point-là tout à l'heure, pour montrer aux autres qu'il a, vous voyez, pas tout du monde qui est dans le royaume de Dieu. Seulement ceux qui rentrent dans le royaume de Dieu, qui est dans le royaume de Dieu. Et la façon pour rentrer dans le royaume de Dieu, c'est pas au sens ou non, ou bien on a un pied spécial. Non, 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 on vient né de nouveau. Je ne vais pas prendre le temps pour cause l'orla, me rendre grâce à Dieu de ce qu'il a foi de une cause bien l'orla. C'est une nouvelle naissance en Jésus-Christ qui fait de vous un enfant de Dieu. Non pas parce qu'il est expressément un tel comme pasteur, ou bien en connexion avec n'importe quel homme de Dieu. Non, il y a une relation entre eux, bon Dieu, ça. Ou fin né de Dieu. On a accepté Jésus-Christ comme Seigneur. Avant qu'il n'aille plus loin, laisse-nous causer un petit guide lors sa terme royaume de Dieu. Royaume. Aujourd'hui, il est très difficile pour comprendre que veut dire le mot royaume. Que veut dire un royaume, parce que nous presque pas un an, ban royaume, ban les rois aujourd'hui, ban chef de nos pays, nous appelons normalement premier ministre, président, homme d'État, mais à l'époque, quand la Bible s'est écrite, et dans tout l'Ancien Testament, ban terme comme premier ministre, président, vous voyez, tiens ban ministre. Qui occupe finance, occupe l'armée, vous voyez. Mais le chef du pays, c'était un des rois. Nous pas t'appeler premier ministre, ou bien gouverneur, ou bien président. Vous voyez. Maintenant, un des rois, il y a une grande différence à Zodi entre un royaume et une république, ou bien donc, eh bien, un état démocratique, appelé donc, comment on veut appeler. Un des rois, il y a une suprême autorité, lors chaque citoyen de sa nation, de son pays. Ça, il est clair, 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 clair et net. Vous voyez, dans une démocratie, vous ne pouvez pas gagner ça. Vous voyez, cela veut dire qu'il possède tout quelque chose, même si il est là, il voulait. Les Kavins Kotou prend où ses vals, prend où animaux, etc. Et au pas de son endroit, il dit non. Plus que ça, il est capable même de réclamer la vie,
si ça te paraît bon dans ce lisier. Bien sûr, c'est pas mauvais les rois qui font ça. David, pas tu pour faire ça, et nous les rois Jésus-Christ, jamais pour faire ça. Au contraire, il donne nous quelque chose. Nous vous dit ça tout à l'heure. Ce qui veut dire que dans ça, l'époque-là, tout bon citoyen NP qui vit sous complète l'autorité, l'autorité sous les rois. Merci Seigneur. Alléluia. Alors, ceci dit, si on a, si on vient une idée bien claire, Laurent, ban les rois, eh bien, la Bible remplit avec ban l'exemple. On a par exemple deux livres des rois, un roi, et puis des rois, et puis une chronique, et puis donc des chroniques. Et même ça, donc, la royauté, les royaumes d'Israël commençaient donc, eh bien, à partir le livre de Samuel, le chapitre 1 Samuel, chapitre 9, 10. Vous voyez, où vous gagnez l'idée donc, capacité, pouvoir, l'autorité, et les rois. Cela est très important donc, eh bien, qui ou imaginez. Afin que maintenant, qui quand ou cause le royaume de Dieu, ou connaît Jésus-Christ, c'est où les rois, premièrement donc, vous comprenez donc, eh bien, qui, alléluia, ou devoir aller tout quelque chose. Jésus-Christ, jamais ne vous prend quelque chose par force. Vous voyez, avec vous, quand l'apôtre Paul dit à mon esclave de Christ, c'est un mot intéressant, il dit à mon esclave volontaire. Mon père vit un esclave de Christ parce qu'il est une fausse, moi, pour une esclave. Mon obéit volontairement. Vous voyez? Mais laissez-moi vous dire ceci. Bon, nous pas pour gagner le temps, tout ce qui nous besoin d'autres, le royaume de Dieu ce matin. Certainement, moi, pour obliger donc continuer dimanche prochain. Moi, pour retourner là tout à l'heure. Vous voyez? Et, mais moi, vous dire où? Moi, pour établir une base. Moi, pour nécessairement, besoin d'une dixième heure de temps. Pour Dieu, c'est un quelque chose encore. Merci Seigneur. Gloire à Dieu, que le nom de Dieu soit béni. Laisse-moi dire ceci maintenant. Dans l'Isier Bondier, malgré qu'il aura la terre, dans ça l'époque-là, il y a une quantité de royaumes. Vous voyez, qu'il y a Israël, qu'il y a l'Égypte, qu'il y a la Syrie, qu'il y a les Philistins, qu'il y a tout ce genre d'affaires-là. Mais spirituellement parlant, dans l'Isier Bondier, il existe des royaumes. Je vous trouve ça clairement décrit dans Matthieu chapitre 12, versets 27, 28 et à suivre, vous voyez. Il paraît comment dans l'Isée Bondier, où il y a deux catégories du monde. Ban qui est sauvé, il naît de nouveau, et ban qui n'est pas encore être sauvé. Il ne faut pas aller appeler les autres condamnés, parce qu'ils n'ont pas encore risé de Jésus-Christ, tant, vous voyez, de Bancotan, le Seigneur Jésus. Il y en a seulement ceux qui en Christ et ceux qui pas en Christ. Vous voyez, les paragments dans les ébondiers nazistes, la vérité qui est sa parole, et puis le mensonge, ben quelque chose qui nécessairement compte sa parole. Alléluia. Pour être citoyen du royaume de Dieu, il n'y a pas de banque qui nation vivre, il n'y a pas de banque couleur ou la peau, qui l'a joué. Il y a une question, est-ce qu'au fin de recevoir Jésus-Christ, non seulement comme Seigneur, comme Sauveur, mais comme Roi? C'est là la toute différence. Roi. Le roi Jésus-Christ. Beaucoup parmi nous, nous connaissons que Jésus-Christ, c'est nos grands frères, nos co-héritiers, nos bergers, nos souverains sacrificateurs, nos avocats, enfin la liste est plus longue que ça, nous bénis ensemble avec lui. Mais peut-être nous peine réaliser qu'il y a aussi, nous, les rois. Vous voyez, cela est très important. Pas qu'il y ait un royaume sans les rois. Vous voyez, est-ce qu'il peut permettre Jésus-Christ régner dans la vie? Semaine prochaine, nous pouvons causer d'une autre façon, est-ce qu'il peut régner ensemble avec Jésus? Vous voyez, nous pouvons expliquer ça d'une façon très balancée, vous voyez, afin qu'il a donc, gloire à Dieu, ou qu'à dire, oui, mais vraiment, donc, nous pouvons régner avec Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Alors, mais avant, nous vivons ce point-là, qui est très important, vous voyez, à Jésus-Christ comme roi, vous pourrez tout l'or là. Mais laisse-moi vous dire que, avant justement, où tu connais le Seigneur, avant où tu es en Christ, que où tu étais. Dans quel royaume où tu étais. Et qui n'arrivait pour qu'il y ait là, ou dans le royaume de Dieu. Bon, pour lire avec vous donc, eh bien, l'épître de Paul aux Galates, chapitre 1er, merci Jésus, et le verset 4, merci Jésus. Alléluia.
Le verset 3, il dit que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et de notre Seigneur Jésus-Christ. Ou bien confesse ce verset-là tous les jours, pour recevoir la grâce et la paix de la part de Dieu le Père et du Seigneur Jésus-Christ. On peut presque être tenté pour que la grâce et la paix, parce que ça, les répondent à nos bonnes questions. La grâce à travers le sang, la paix à travers le sang. Mais regardez le verset 4, Jésus-Christ qui s'est donné lui-même pour nos péchés. Qui s'est donné lui-même. Cela est très important parce que très souvent, quand nous pensons Jésus-Christ est mort, nous pensons qu'il n'est pas capable de défendre, il tient de mortir, un Romain plus fort qu'il est. Eh bien, donc, eh bien, Judas finit trahir, tous ses camarades abandonnent, alors il est tout seul, il est obligé, ben, ok, alors, fais ce qu'il veut. Peut être capable de faire. Non, 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 non. Tout ce monde qui est soldat, il te connaît pour arriver. Il te connaît Judas pour travailler. Il te connaît tout pour régner, abandonner. Même Pierre, malgré tout ce qu'il a raconté, il dit Seigneur, mot pour toi, malgré notre lit, coupe oreilles, malcus, etc. Mais, vous voyez, non, là, je ne vais pas critiquer, vous voyez. Mais, qui m'a dire, il s'est donné lui-même pour nous. Il est très volontaire. À cause de ça même, m'appeler le souverain sacrificateur. Un sacrificateur, longtemps dans l'Ancien Testament, tu offres un sacrifice. Jésus-Christ, il offre un sacrifice. Lui-même, son propre corps. Il s'est offert lui-même pour nos péchés. Mais puis, il ajoute ceci, afin, afin, voilà pour quelle raison. Maintenant, il donne une raison. Nous connaissons donc l'immort pour nos péchés, l'immort pour nos maladies, l'immort pour nos pauvretés. Vous voyez, l'immort afin donc, eh bien, pour nous être justifiés, il y a afin de nous arracher, ah bon, à ce présent siècle mauvais, selon la volonté de Dieu le Père. Hein? Qui soit la gloire, à qui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Il y a, ça c'est la volonté de Dieu le Père, ça. Il envoie Jésus-Christ, pour qui Jésus-Christ lui livrait lui-même pour nos péchés, afin de nous arracher, le terme en anglais est de nous délivrer de ce présent siècle mauvais. Qu'est-ce que ce présent siècle mauvais là? Le royaume de Satan. En anglais, il est de ce monde mauvais. Le monde, ce n'est pas la terre, ce n'est pas la planète Terre. Le monde, c'est le gouvernement de Satan, le royaume de Satan, ce royaume ça. L'idée de ce royaume, qu'il y fait, il battait, il tuait, il étranglait les coquins. Jésus-Christ de ce royaume, il donne nous la vie et la vie en abondance. C'est ça que vous devez comprendre. Ce qui veut dire, voilà ce que vous avez envie de dire où là. Le moment d'une tiaou de ce royaume, de ce monde-là, de ce royaume. Au bout de ça, dans Colossiens, chapitre 1, verset 12, 13, 4, etc., les finales, mais nous dans le royaume de son fils bien-aimé. Qui m'a pu dire où là? Voilà ce que vous devez comprendre. Et même donc, eh bien, plus comprend encore. Regardez ceci. La maladie, l'inquiétude, tracas, manquement. Il n'a pas à appartenir au royaume de Dieu, ça. Il n'est pas fait partie du royaume de Dieu. Il fait partie de ce monde, là où Satan régnait. Qui m'opère au Dieu? Quand et si vous êtes attaqué par la maladie, manquement, dette, souffrance, l'inquiétude, la crainte, vous voyez, ou bien dire avec vous-même, on n'a pas de ce monde, moi. Je ne pas vous laisser sa bande d'affaires là domine moi. Bien au contraire, moi un triomphateur de ce monde. Je ne pas vous laisser sa bande d'affaires là continue, domine moi, afflige moi et domine leur moi et vainque moi. Moi un triomphateur de ce monde, la Bible dit, nous avons triomphé du monde, par nous la foi. Au final, triompher de ce présent siècle mauvais. Mauvais. Une traduction de la misère de ce monde. Vous voyez, ou pour misérable quand on malade, misérable quand on dans manquement, misérable quand on vit donc eh bien sous une, comment s'appelle, une captivité, une passion, un vice. Vous pourrez tout le là plus tard donc, gloire à Dieu pour ce royaume, gloire à Dieu. Vous voyez, on vit le là plus tard donc encore, beaucoup qui sont venus plus tard. Un jour, Jésus-Christ, tu peux couler l'abondance, etc. Je te prends tracas, etc. Qui pour faire, qui pas pour faire. Il dit voilà la solution. Si je tiens là le royaume de Dieu, sa justice, ça veut dire que cela peut ajouter les autres la vie, ça. Pas si ça, la santé même est ajoutée dans nous la vie. Hein? Bon, quand vous disiez ça la semaine dernière, quand Jésus-Christ disait ce bandit,
parle, prêche la parole de Dieu, dites, le royaume de Dieu est proche. Maintenant, le royaume de Dieu n'est pas proche, il est déjà existé, il est au-dedans de nous, on peut vivre dans ce royaume. Que le nom de Dieu soit béni. Merci Seigneur. Laisse-moi régler où ça. Les choses qui peuvent arriver dans ce monde, ne pas supposer, Père, Covid-19, n'est pas pour nous ça. Qui fait mon pédia ou ça? Vous rappelez donc, moi, je disais ça la fois dernière, quand il y a une calamité en Égypte, Dieu qui fait une différence entre les Égyptiens et les enfants d'Israël. Même avant, je t'y applique le sang. Combien plus forte raison aujourd'hui? L'Égypte représente le monde, représente les ténèbres, représente les misères de ce monde présent. Maintenant, donc, nous libérer dans le pays donc où coule le lait et le miel. Le lait veut dire la force, le miel veut dire que tout est doux. Misère, et pas doux ça, il y a des affaires amères. Nous nous délivrer de ce présent siècle mauvais, les misères de ce siècle présent. Alléluia, merci Seigneur. Donc, vivre dans le royaume de Dieu, les comprendre, un niveau de vie très supérieur. Vous voyez? Dans ce monde-là, donc, vous voyez qu'un pot de sécurité, psychologue, psychiatre, docteur, premier ministre, etc., ou pas qu'à vaincre tracas. Ou pas qu'à parce qu'il y a la force spirituelle, ou pas qu'à vaincre la crainte. Tout politicien perd. Est-ce qu'il me peut être réélu la prochaine fois? Vous voyez? Même ça, quelqu'un qui invente, supposé un vaccin-là, il peut poser des questions. Est-ce que ce vaccin-là est efficace même pour mon propre corps? Mais où donc? Eh bien, on ne peut pas poser cette question-là. Où? Vous voyez? Parce qu'on a la parole du royaume. Merci Seigneur, que le nom de Dieu soit béni. Oui, mon fils Diaou, qu'il a, tout simplement bon qui que cela existe dans le royaume, mais vous apprendre, vivre dans le royaume de Dieu. Mon fils explique tout à l'heure que Jésus-Christ, il dit très clairement, donc, qu'il y a très clairement, il dit à vous est donné de connaître les mystères du royaume. Ah, vous voyez? Donc, nous besoin connaître ces mystères. Pour nous capables, mon bon frère, mon bon sœur, vivre pleinement dans le royaume de Dieu. Et dans une aide, mon bon capable, explique tout ce bon mystère-là. Et puis donc, même dans un an, mon bon capable, explique tout ce bon mystère-là. Parce que mon connaît certains ce bon mystère-là, mon bon connaît tout. Si n'importe qui s'en a, venu dire, moi, mon connaît tout. Bah, écoute-lui, mon camarade. Non, non, non. Mais nous, car connaît suffisamment. Pour nous vivre suffisamment dans l'abondance, suffisamment dans la santé, suffisamment dans la victoire. Vous voyez? Mais bien sûr, nous pouvons augmenter nos connaissances dans la parole de Dieu. Merci Seigneur. Donc, nous bisons vivre, apprendre à vivre plutôt dans le royaume de Jésus. Laisse-moi donner une jolie indication. Ah, et ça, tu aides-moi beaucoup pour comprendre quelque chose. Dans Hébreux chapitre 7, quand Jésus-Christ, ou plutôt quand l'apôtre Paul, pécose l'Ancien Testament, le grand prêtre, alors il dit, Jésus-Christ, c'est nous Melchisédek, et puis il appelle-lui roi de justice et roi de paix. Où les rois? Il y a les rois justes, et il y a les rois de paix. Vous connaissez que veut dire la justice? Vous pouvez expliquer que veut dire la justice maintenant? C'est le mot pour vous. Il n'est pas juste qui vous contire dans la maladie, c'est ça la justice. C'est le mot pour vous. Il enlève vos maladies ou souffrances. Il y a un peu pareil que moi, cette femme qui t'a levé à le juge, il dit, fais-moi justice. Ben, j'ai mon qui peut posséder mon terrain là. Terrain là, pas pour autres, ça. Je suis un coquin, ça. Mais le te fais-moi justice. La Bible, nous, le juge mauvais, tu fais les justices. Et Jésus-Christ dit comme ça dans ce parabole, Dieu le Père pour faire nous promptement justice. Ce qui est à nous, mais c'est un revenir à nous. La santé, c'est pour nous, ça, c'est notre droit, ça. Les justes qui nous vivent dans la santé, comme chrétiens, dans l'abondance, être restaurés dans tout domaine. Roi de paix, oh mon Dieu, le mot paix, il veut dire tranquillité intérieure. Il veut dire aussi une prospérité dans toute dimension de la vie. Le mot shalom, en hébreu, est irénée ou bien irène, moi pas trop connaître donc et bien comment prononcer ça, vous voyez, en grec. Une tranquillité intérieure, vous voyez. La paix ne veut pas dire tout pétoune, bon, autour de vous. N'est plus une mauvaise nouvelle Covid, n'est plus une port ici. Non, non, non. Ça va, une mauvaise nouvelle là, nous pas qu'avant pésote, être divulgué, être dit, être déclaré. Mais nous, nous capables de me donner la paix. Vous voyez, le commandement de Jésus, jamais l'India, donc, eh bien, ne pas pour passeport trouble, il n'y a pas les autres, les guerres sont troublées. Voilà, voilà, il fait une grande différence.
Vous voyez? Pour avoir l'occasion que là, donc, que tout le monde pour troubler, nous dire non, 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 moi, un enfant du royaume. Moi, les rois, ils donnent moi seul la paix, sauver la paix, ils donnent moi. Vous voyez? Ils donnent moi ce justice. Ou gain douleur, ou dire Seigneur, puisque tu es mort pour moi, la croix, amen, moi réclame mon droit. Il y a un peu pareil. Ou habite dans l'île Maurice. Où est-ce qu'on a le droit? Vous connaissez ça? Où connaissez-vous où est-ce qu'on a le droit? Aux enfants gagnent 5 ans, ils ont un droit pour aller à l'école. Vous voyez? Ils ont un droit pour voyage gratis quand ils sont à l'école. Vous voyez, il y a un droit donc qui est bien pour beaucoup de choses. Et quand on gagne 60 ans, avec un sourire, on a un droit de gagner sa pension, zéné cela, mon camarade. Amen. Alléluia. Et quand on gagne 60 ans, on a un droit à voyager de sa métro-là, gratis, mon camarade. C'est un droit, ça. Est-ce que vous croyez qu'il y a un droit qui Jésus de nous? Les moins faux, les moins valides, ou bien les beaucoup plus faux? Pas capable d'arriver qui plus tard. Ça a un droit qui nous gagne, qui nous paye juillet là comme, voyez, à l'île Maurice, les capables est abolis par manque de moyens, ou bien on ne connaît quoi. Et la parole de Dieu, il reste établi. Vous voyez, tout le temps, il pourrait se pareil, que le nom de Dieu soit béni. Maintenant, laisse-moi, mon besoin, faire un parallèle, comme on appelle ça donc, entre le peuple d'Israël et nous maintenant. Parce que le peuple d'Israël, c'était le royaume d'Israël. Amen. Amen. Mais maintenant, un royaume qui a besoin d'être réglé, si vous êtes capable de dire réglementé plutôt, par ce que Dieu dit. Merci Jésus. Mais laisse-moi l'impérer avant le royaume d'Israël qui existait. Quand Dieu t'a envie à bénir Abraham, il t'a envie de rien de sur la vie. Il t'a envie de donner tout quelque chose. Il t'a envie de prendre ça sur la vie. Il est obligé de dire à Abraham, quitte la maison de ton papa, de l'environnement, de ta bonne famille et suive-moi. Et pour nous, nous lire ça comme un texte, nous tellement lire que nous disons, mais c'est facile. Non, c'est pas si facile pour n'importe qui s'en a faire ça. Ça, à l'époque-là, vivre ensemble, c'était une sécurité. Je suis tellement vivre ensemble, comme je trouve, je suis marié de la famille. Parce que pour eux, séparer de la famille veut dire la mort, veut dire l'insécurité, veut dire, tu es fini là, tu es mort. Donc, la raison qui fait, bon Dieu, tu louer Abraham. Tu applaudis, tu apprécies. Hein? La Bible dit nous, donc Dieu est content. Il est tellement content qu'il est une camarade d'Abraham. C'est parce qu'Abraham, tu crois, tu obéis. À partir de ce moment-là, quand Abraham a décidé pour croire dans le royaume de Dieu, ce terme-là n'a pas existé à l'époque, on connaît, mais il a envie donc que ce bon Dieu contrôle tout sur la vie. Vous voyez, Abraham, il rentre dans l'autre dimension. Totalement l'autre dimension. Bénédiction, protection, l'abondance. Les vignes papa, donc à l'âge de 99 ans, plutôt à l'âge de 100 ans, je connais ça. Maintenant, les descendants d'Abraham, qui nous appellent le peuple d'Israël, qui vivent en Égypte pendant 400 ans. Je qui vivent sous le règne des pharaons. Parce que je ne crois pas que les pharaons qui vivent 400 ans, il y a beaucoup de pharaons. Vous voyez, beaucoup les rois, beaucoup de chefs. Même royaume, mais beaucoup chef, vous voyez. Alors, sur le règne des pharaons, je suis esclave, coup de fouette, pas gain la paye. Tu arrives à un moment donné, comme nous tu nous connais, dans l'époque côte Moïse, Tchipouné, même autres enfants, qui est tué, et c'est pas qu'à faire un là. On fait qu'explique où ça. Les rois, dans cette époque-là, ils font ce qu'il est. Ils font ce travail 7 jours, là, 7, esclaves, vous voyez. Je te la paix, c'était seulement je te mangeais. On va pas vous rendre de sa bande d'état là, de tout ce que tu connais, vous voyez. Mais, gloire à Dieu, merci Seigneur. Dieu l'air là donc est bien fin, sépare autres. Mais pour les sépare autres maintenant donc de l'Égypte, il utilise un vaincre l'Égypte. Pour bon Dieu, sépare-nous du monde, des misères de ce siècle. Il vise un vaincre le roi de ce siècle mauvais, le chef de ce siècle mauvais, Satan lui-même. C'est-à-dire que Satan, le moment où on quitte Satan, où on vient avec Jésus, il peut n'a droit de dire, mon révin, c'est toi là. Il peut n'a sa droit là. Il n'est pas capable. Satan n'est pas capable de sauver lui-même. Vous voyez? C'est quelqu'un qui vraiment vit dans la crainte, en suspens, c'est le diable. La Bible de nous, l'iconie solaire peut arriver. Amen, amen. Ne faites pas croire qu'un pote c'est qui vous sentit donc, eh bien, quand arrive moi, ben, attaque du diable, ou gagne attaque, frère, oui, moi, je dis à Satan, à la fin, c'est moi qui gagne la victoire. Là.
Vous voyez, il n'y a pas une question, est-ce qu'il m'a gagné la victoire? C'est certain. Il y avait pareil, deux, trois fois, mon bisan arrête de bander, quand je sors des mondes, il dit, tu peux sortir, tu ne peux pas sortir. Tu peux poser des questions là. Donne-lui l'eau, allez. Hein? Que veut dire, tu peux sortir? Non, 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 non. Si les états n'ont pas les sortir, que te vous dire. Tu n'es pas là pour demander, est-ce que tu as envie d'aller? Il est obligé d'aller quand tu causes avec lui. Quand vous résistez le diable, il est obligé d'aller. Donc, moi, dire Satan, à la fin, hein, moi qui gagne la victoire, et une victoire triomphante, plus que vainqueur. Amen. Je ne vais pas vous raconter tout le challenge et défi qui nous finit de gagner pour envoyer cette bonne vidéo-là, tous les quatre fois. Incroyable. C'est quelque chose qui ne va pas comprendre. Mais gloire à Dieu, jamais Satan est capable en piste, non. Amen. Moi, je connais donc qu'il n'est pas content que le peuple tente sa bande de message-là. Il n'est pas content. Vous voyez. À cause de ça même, comment quelqu'un tente un message, premier quelque chose qu'il fait, il rôde coquin sa message-là de ce liquaire. Mais moi, je prie afin qu'il n'est pas capable de coquin ça dans le liquaire, mon frère, mon sœur. Qui ou porte beaucoup de fruits. Merci Seigneur. Qui m'a perdu déjà donc, avant qu'il m'a vino des trois points concernant le peuple d'Israël. Merci Seigneur. Dieu t'y visait justement vaincre l'Égypte et ce les rois et ce l'armée. Mettez-les dans une situation de dévastation complète. L'incroyable, c'est qu'il arrive l'Égypte. Vous voyez, ce crapaud, ben, n'a pas qu'à faire. Non, il est sous piste, sous ténèbres, sous la grêle, vous voyez, sous etc., etc., sous ténèbres pendant trois jours. Vous voyez, ce bons enfants morts, ce bons animaux morts. Vous voyez. Et là, vous imaginez donc, vous êtes capable de dire, Dieu, tu dépouilles l'Égypte et Pharaon. Il paraît comment il dépouille une domination, une autorité. Amen. Il livre les autres publiquement en spectacle, en triomphant d'elle. D'elle, c'est une autorité et domination par la croix. La croix, il n'est pas quelque chose qui est faible, ça. Non, 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 non. Non, non, non. Jésus-Christ dit, hein, ou plutôt l'apôtre Paul dit, voilà mon message, mon prescrit est crucifié. À cause d'un bon Dieu, on vous rappelle, ou même, à chaque fois où réunis, prends la Sainte Seine. Alléluia. Ça revient quelque chose. Christ est mot pour moi. Pour mon maladie. Hein? Christ est mot pour moi. Merci Seigneur. Ce que je dis, vous n'avez pas besoin de passeport, même la peine, même douleur, même. Vous continuez à croire, hein? Pas tout miracle que vous gagnez vite, vite, automatiquement. Et non, vous avez besoin de persister, vous avez besoin de montrer qu'il vraiment vous croire. Merci Seigneur, que le nom de Dieu soit béni. Donc, Dieu maintenant lui délivre Israël du pays d'Égypte. Lui délivre les autres donc et bien du pays d'Égypte. Très important. Parce que pour bon Dieu capable de contrôler les autres comme un bisin, de la bonne façon, donne aux autres tout ce qu'il a envie, jeter là, aux autres bisins, faire tout ce qu'il a envie faire pour les autres, Dieu bisin sépare les autres de l'Égypte. Il y a un peu pareil donc, on ne sait pas où, du royaume des ténèbres. Afin qu'il soit capable de vivre par la foi et non pas par la crainte. Afin qu'il soit capable de vivre dans la vérité et non pas dans l'erreur. Et moi, je vous dis, ouais, une autre quelque chose maintenant, donc, ça nous vient de l'Orlan, avec beaucoup d'états plus tard, ou pas capable de vivre avec bon Dieu dans le royaume de Dieu, avec le principe de ce monde. Pas capable. Le monde, pour dire comme ça, donc, chacun pour soi, Dieu pour tous, pas connaît que tu ne trouves ça. Vous voyez. Dieu dit comme ça, guette l'intérêt de ton camarade avant. Voyez, le monde dit, il faut me trouver, vous me croire. Dieu vous dit comme ça, quand vous croyez dans les promesses, c'est là où vous trouvez accompli dans la vie. Le monde dit comme ça, quelqu'un aille à toi, pardon, te faire pareil. Dieu dit non. Priez pour ceux qui aillent à toi. Bénis ceux qui maudit toi. Et priez pour ceux donc qui persécutent toi. Le peuple de Dieu maintenant donc, Dieu n'a peine simplement délivrer Israël, et quand la mer, il dit, maintenant, fais ce qu'ils ont voulu. Non, 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 non. Il y a une besoin de tout un système de vivre totalement différent de l'Égypte et totalement différent de toutes les autres nations qui existaient lors de la terre. C'est très important, ça. Vous voyez? L'une de nous est bien donc la loi. Faites-vous comprendre ça en détail. 613 commandements. Qui besoin faire, qui pas besoin faire. Est-ce qu'il nous est signé, bien fait ça? C'est pas ça que mon père dit là. Mon père explique ça donc, pour maintenant, t'as l'air, mon père nous
le principe de vie dans le royaume de Dieu, le kilibazé, on peut expliquer ça. Et Azodien Tchigit, et plus tard, vous voyez. Dieu maintenant donc explique le peuple d'Israël dans le nom de Jésus-Christ. Vous voyez donc, eh bien, on peut expliquer moi ici donc ce qu'il vient nous faire. Et nous, les autres, ce qu'ils viennent faire, ce qu'il ne fallait pas faire. Les autres même, ce qu'ils sont capables de manger, ce qu'ils ne sont pas capables de manger. Vous dites, moi, mais, nous ici pareil. Non, non, non. Cela pour nous, donc, castel, hein, les symboliques. Dans l'Ancien Testament, je n'ai pas le droit de manger un porc. Maintenant, si vous pas content de manger un porc, moi aussi, il y a des trois choses qui ne croient pas manger. Il n'y a pas une question spirituelle ni religieuse, simplement, il parle à moi. Il parle avec moi, pardon. Et nous, il y a quelqu'un qui cause avec ce pasteur, il dit, pasteur, est-ce que je peux manger un cochon porc? Il dit, oui, tu peux manger un cochon, mais pas faire comme un cochon. Ça me croit donc, eh bien, ça ne répond tout là. Vous voyez? Et pour montrer aux autres qui maintenant, Dieu, directement, tout ce qui vendit de bazar, l'apôtre Pierre Enzo, il a une vision, dans un nappe, donc, eh bien, il y a toutes sortes de qualités, animaux, reptiles, croix du prêtre, veut dire, des animaux, aux quatre pattes, ça la voilà, il y a tuer, mais on dit, non, 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 pas besoin de faire ça. Dieu, il y a déclare tout quelque chose de pur maintenant. Quoi qu'il me comprenne, il peut être une nation, toute une nation pure, vous voyez, personne, pas comme si je dirais donc, eh bien, être traité comme impur, je ne suis pas un enfant de Dieu, mais l'apôtre Paul, pour dire nous comme ça, donc, eh bien, le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger, le boire. Elle ne nourrit Dieu pas pour un nous plus sain, et elle ne nourrit Dieu pas pour un nous impur. C'est ce qui donne nous les cœurs, qui rend nous impurs, etc., etc., mais dire, le royaume de Dieu, c'est la justice, le droit qui nous a. La joie, ne pas laisser nous, ni donc afflige nous, et la paix, ne pas laisser nous, ni donc troubler nous, par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit. Très important ça. La source, nous, la joie, c'est le Saint-Esprit. La source, nous, la paix, c'est le Saint-Esprit. Nous avons dit ça à un autre moment. Dans ça, la liste, quelque chose qui, bon Dieu, montre les autres là, il montre aux autres comment de besoin, moi, je suis capable de dire, eh bien, dépense de l'argent. Quelle quantité vous avez besoin de donner à Dieu. Vous voyez? Je te la dîme. Alors, oui, vous trouvez, c'est Moïse, hein, Moïse. Non, la dîme, pas tu commences avec Moïse, tu commences avec Abraham. Abraham, oui, Abraham. Abraham, tu donnes ce la dîme au Seigneur. Oui, c'est Abraham, hein, tu es un enfant d'Abraham, la Bible, moi. Tu es béni avec Abraham, le croyant. Et Abraham, tu bénis parce qu'il te donne ce la dîme. Ah ah, c'est parce qu'il te croit qu'il te bénit. Hein, il te donne à Dieu, là, tout cela, Dieu me te donne. Mon enfant d'Abraham, il fait comme Abraham. Les lames, il bénit comme Abraham. Vous connaissez un livre, il écrit comme ça. Ha, mais mon fils apprend aussi qu'il m'a dit, il révise la théologie, c'est là. Vous voyez, je te recommande s'expliquer que oui, nous visons la dîme, les offrandes. Vous voyez, je ne vais pas faire aucun commentaire là. Et l'eau délivrance aussi, il vous vient pareil. Et l'eau, les autres problèmes sociaux aussi, il vous vient pareil. Vous voyez, hein? Problème existait malheureusement. Vous voyez, Dieu n'a pas envie par rapport à ce problème-là. Hein? Et Dieu les compte en nous tel qu'il nous était, les servit nous tel qu'il nous était. Merci Seigneur, que le nom de Dieu soit béni. Oui, Dieu maintenant, en Saint-Jean, commence de besoin de la guerre. Qu'est-ce que besoin fait quand je t'ai la guerre? Afin que je gagne victoire dans chaque combat pour le royaume d'Israël. On peut expliquer ça pour m'expliquer que nous ici maintenant, donc, Dieu. Infini prévoir, infini pouvoir. Tout ce qui nous vise à faire, tout ce qui nous vise à gagner, tout ce qui nous vise à recevoir. Merci Seigneur. Hein? Surtout, au point de vue du sacrifice qu'il vise à faire. Dieu explique toutes sortes de qualités de sacrifice qu'il vise à faire. Cinq différents sacrifices pour telle occasion. Dans le Nouveau Testament aussi, il y a un sacrifice. Au besoin offert au propre sacrifice comme offrande à Dieu. Au besoin donc offrir un sacrifice de louange. Merci Seigneur. Hein? À Dieu. Et au besoin donc, gloire à Dieu, merci Seigneur, ou l'offrande, il y a un sacrifice de bonne odeur à Dieu. Qu'est-ce qu'il a bien expliqué? Vous voyez? Ce qui finit créé dans l'Ancien Testament, voyez, nous n'avons aux vérités spirituelles dans le Nouveau Testament. Ou pas besoin offrir bœuf, ou pas besoin offrir brebis, ou offrir au propre corps. Amen. Ou offrir les louanges à Dieu. Sacrifice donc de louange à Dieu, offert ou l'argent. Merci Seigneur. Alléluia. Que le nom de Dieu soit béni. Un sacrifice veut dire quelque chose qui coûte ou quelque chose. Vous voyez?
Amen, amen, amen. Nous arrêtons l'Olen l'autre moment. Alléluia. Puisque ça maintenant, Dieu comme ça, tu quittes l'Égypte. Tu trouves beaucoup de maladies en Égypte. Mais moi, je m'appelle moi-même tout docteur, tout médecin. Et puis, je dis ça aux enfants d'Israël. La même chose pour nous, donc, dans le Nouveau Testament. Il dit, vous pouvez loin toute maladie de toi. Vous pouvez loin toute maladie de toi. Et dans l'Exode, chapitre 23, verset 25, il répète la chose. Vous voyez? Alléluia. Il dit, vous pouvez rassasier toi des longs jours. Vous pouvez remplir le nombre de tes années, de tes jours là, sur la terre-là. Extraordinaire. Est-ce qu'il y a de Nouveau Testament dans la bande terre? Et bien sûr, par ces meurtrissures, vous avez été guéri. Dans la pensée de Dieu, où guérison, il y a une quelque chose fini exister pour, déjà exister pour. Il me paraît que moi, tout le monde sur la terre, ou vous en priez, vous êtes sauvés? Non. Ou vous en priez, vous êtes les yeux ouverts. La Bible dit moi très clairement, avant même que je compte bon Dieu, il était déjà réconcilié avec moi. Vous voyez, il n'est pas en guerre avec moi. L'espérant qu'il est à moi, me réconcilier avec lui. Il y a combien plus forte raison qu'il maintenant, moi, me réconcilie avec Dieu, maintenant, il sauve moi par sur la vie. Mon esprit, mon âme, mon corps, mon la vie matérielle, mon la vie donc, et bien sociale, mon ministère et tout ce qui concerne moi, mon la vie de famille, sauvé, béni, préservé par la vie de Dieu. Extraordinaire. Et qu'il y a maintenant concernant l'esprit de vie pour nous, les corps, ça, c'est mon verset préféré parmi tant d'autres. C'est-à-dire, puisque le même Saint-Esprit qui ressuscite Jésus-Christ d'entre les morts habite dans nous les corps, ce Saint-Esprit donne la vie dans nous les corps. Algué était donc dans le dictionnaire ce qui veut dire ce mot donne la vie. Il veut dire redonner une jeunesse, donner la force, vitalité, vigueur, la force et l'énergie. Extraordinaire. Vous pourrez comment nous confesser ça. Au milieu des douleurs, des souffrances, ou bien donc rapport au docteur très négatif, confesser ça. Vous voyez, on fait ça pendant des années et des années. Et mon conscient, donc, ici, mon petit compte s'avère, c'est là. On ne va pas dire aussi que tu ne peux pas faire, moi. Que le nom de Dieu soit béni, béni, béni. Jésus-Christ est celui qui nous guérit. Gloire à Dieu, amen, amen. Alléluia. Donc, l'inormal, donc, d'un nouveau royaume, le peuple d'Israël n'a pas tu pour capable vivre comme en Égypte. Et tu arrives à des affaires tristes. Parfois, je t'envie, retourne en Égypte. Je te l'équipe en Égypte. Et même, donc, le vaudeau qu'ils ont une faire. Je te rappelle, je te qu'ils ont adoré en Égypte. C'est ça le problème, nous, dans le royaume de Dieu. Et parfois, nous vivons d'après les systèmes de ce monde. Maintenant, nous avons besoin de manger qui est dans l'eau la terre. Nous servons qui est dans l'eau la terre. Mais le système de ce monde, notre système de vivre, réfléchir, façon causée, notre latitude, vous voyez, ça ne faut pas nous dans ça. Merci Seigneur. Laisse-moi donner encore un petit détail donc, concernant que le nom de Dieu soit béni, alléluia, le peuple d'Israël. Dieu maintenant, il déclare avec, qu'il est pour bénir dans toutes dimensions de la vie. Deutéronome chapitre 28. Vous voyez, quand je quitte la cave, vous êtes quelque part, je peux être béni. Quand je retourne, je peux être béni. Ça, c'est une phrase qu'ils m'ont prononcée à chaque fois. Ça. Seigneur, si mon visage sorti, même pour 5, même pas le supermarché. Seigneur, je quitte la cave béni, nous retournons béni au nom de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. Et Dieu dit autres, quand l'ennemi vient pour une chimée, il peut sauver pour cette chimée. Donc, si un ennemi vient à ta cour, n'a pas trapou la tête, crier. Non, dire Seigneur, les mille pour un chimé, les visés galou pour cette chimé. Alléluia. Succès en toutes choses. Tout ce qui te entreprend, te pour réussir dans toutes bonnes entreprises, et te grainer pour remplir l'abondance. Extraordinaire. Toujours la tête, jamais la queue, toujours en haut, jamais en bas. C'est ça que vous avez réalisé. Jamais où reste. Sous une circonstance, ou les circonstances-là, quand ils répécrasent, vous pouvez dominer l'eau. Ou supposer overcome. Vous voyez, comme over, ou vin là-haut, plus fort. Vous pourrez lire avec vous, vous pourrez citer ce verset. Quand Bandissi, pas tu comprends,
Parabole du semeur. Jésus-Christ dira, vous est donné, a été donné de connaître les mystères du royaume. Mon pour encourager, pour dire avec vous-même tous les jours, vous comprenez les mystères du royaume. Mystère veut dire secret. Secret, est-ce que vous croyez que bon Dieu pour donner un royaume et puis dire, bon, ben secret là, mon God, pour moi, ben principe là, mon God, pour moi. Ah non, 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 au contraire. Il est content quand on compte sa bande secrète. Là, il paraît comment nous t'y trouvons un crédit. Quand les apôtres t'y découvrent, tu as l'autorité au bande démon, jusqu'à ce qu'ils tressaillent de joie. Amen. Vous voyez? Donc, il dit, à vous a été donné. Ça vient de finir de nous. Le palais garde ça. Dieu palais garde ça. Cachette-les. Vous voyez? Et puis, il y a un autre verset, donc, qui, aujourd'hui, c'est une base qui nous peut établir. Il dit, donc, eh bien, je vous ai donné les clés du royaume de Dieu. Secret et la clé. La clé où tu connais donc, la clé premièrement, elle représente l'autorité, ça. Vous voyez? L'autorité. Elle représente l'autorité, pouvoir. Et puis, elle représente justement un moyen pour fermer et pour ouvrir. Aucun apôtre n'a pas supposé se fermer. Vous voyez? Ben, apôtre qui le diable vient fermer. Et ben, apôtre maintenant, non, qui le diable vient ouvrir. Malheur, mofine. Malédiction, ça vous ferme au nom de Jésus. Tout simplement, d'une autre façon, Jésus-Christ dit, ce que vous pouvez permettre pour être permis, ce que vous interdit pour être interdit. Vous voyez, ou décide l'eau la terre. Et vous trouvez arriver donc, Dieu vous décide ça dans le ciel. Et vous pouvez l'eau là donc, plus tard, gloire à Dieu. Maintenant, ça, moi, je suis content de lire avec vous parce que le nom de Dieu soit béni, béni, béni. Merci Jésus. Je suis content de lire ça avec vous. Alléluia. Le royaume de Dieu. Vous voyez, est-ce qu'il est simplement, moi, je suis capable de dire, juste une doctrine, juste une bonne parole qui nous tendait, est-ce qu'il est simplement donc, eh bien, on va connaître moi, un sermon religieux, et que l'apôtre Paul peut dire. Car le royaume de Dieu, ne consiste pas en parole, mais en puissance. Ah. C'est-à-dire le moment où dans le royaume de Dieu, la puissance de Dieu vient manifester. 1 Corinthiens chapitre 4, verset 20. Merci Seigneur. Amen. Le royaume de Dieu, c'est l'endroit, c'est le domaine que la puissance de Dieu vient manifester. Une traduction dit, « Mighty deeds, not just words. » Or signs of the kingdom. Mighty veut dire grand, deeds veut dire acte, il y a un grand acte. Et non pas les simples paroles. Ce sont les preuves du royaume de Dieu. Par quelle façon mon cas prouvé mon vivre dans le royaume de Dieu, on peut trouver la puissance de Dieu manifestée dans tout domaine de la vie. La côte bizin, vous voyez, autant qu'il bizin. Merci Seigneur, que le nom de Dieu soit béni. Alléluia. Laisse-moi de nous maintenant donc. Alléluia. Ou bien, on commence de nous, par la grâce de Dieu. Merci Jésus. Ben point très fort du royaume de Dieu. Qui me tient content donc, eh bien, ou comprend. Merci Jésus. Premièrement donc, le moment où on naît de nouveau, ou déjà dans le royaume de Dieu. Mais est-ce qu'on peut vivre dans le royaume de Dieu? Est-ce qu'on donc peut profiter les choses du royaume de Dieu, ça lit totalement en l'autre affaire. Les concerne où? Vous voyez? En grande partie. Il y avait pareil donc, eh bien, quand nous collons l'onction, nous convaincus, nous croire que nous responsables, nous, d'égrer l'onction dans nous la vie. Et dans ce domaine aussi du royaume, nous responsables, qui quantité de bénéfices, la gloire du royaume, hein? L'abondance du royaume, puis manifester dans la vie, la puissance du royaume. Donc, eh bien, on croit dans Marc chapitre 9, Jésus-Christ dit comme ça, « Je vous trouve le royaume de Dieu venir avec puissance. » Avec puissance. Il passe donc, eh bien, le royaume, le royaume, le royaume, et oula, nous visons beaucoup plus que ça. Nous, Jésus-Christ, le roi des rois, les tout-puissants. Amen. Le roi du royaume de Dieu, les tout-puissants. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Donc le moment où on est de nouveau. Voyez, alors,
on connaît les jeunes finis changer maintenant, car sans nationalité, eh bien, tous ceux qui sont mauriciens, bien nés à l'île Maurice. Quoi qu'il plaît, ou capable à aller en France, ou gagne nationalité française, etc. Mais me voir en principe, vous pouvez comprendre, voilà. Si on est donc, eh bien, dans le royaume, on est de nouveau, on est de Dieu, ou dans ce royaume. Si on est de Dieu, ou dans le royaume de Dieu, ou dans la famille de Dieu, ou parmi le peuple de Dieu, ça est très important. Ah, écoute-moi maintenant donc. Gloire à Dieu, merci Jésus. On va lire ça pour vous. On va lire avec vous donc, eh bien, 1, ou plutôt l'Apocalypse, chapitre, il n'est pas difficile pour l'Apocalypse, chapitre 1er, et gloire à Dieu, le verset 5. Et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts. L'intéressant, ça, hein? Ou pas né de la mort, ou ressuscité des morts, mais là, il est bien dit né. Vous voyez? Parce que quand Dieu ressuscite tout, c'est une naissance qu'on fait là, dans ce royaume. Il est ressuscité, oui, mais en vérité, on est. Jésus-Christ, le premier-né, mais aussi, on est né parmi les morts. On n'est plus mort, ou pas reste mort quand on est parmi les morts, ou bien vivant, ou dans la vie. Le prince des rois de la terre, Jésus-Christ. Dès qu'il y a le prince des rois, le roi des rois, à celui qui nous aime et qui nous a délivrés de nos péchés, et qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu son Père, à lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Qui m'a envie de souligner dans l'équerre, lire dans les autres versions donc, Alléluia. Jésus-Christ est fait de nous, voyez, un royaume des rois et des sacrificateurs. Il fait nous tous les rois. Dans le royaume de Dieu, nous tous nous les rois, Jésus-Christ est le roi des rois. Ça, vous avez compris ça. Il y a un royaume unique. Ce qui veut dire, dans ce royaume-là, vous supposez régner où? Vous supposez gouverner, dominer. Ah, par un lourd camarade. Pas de domine aux camarades de ta propre vie. On arrive vraiment à remarquer beaucoup de gens, je trouve ça facile ou bien j'ai envie de dominer les autres, mais je ne pas qu'à arriver à dominer les autres même. Ah oui, je ne pas qu'à dominer les autres l'appétit, les autres sommeil, le port ici, les autres langage. Vous voyez donc, eh bien, on appelle ça discipline, je ne suis pas discipliné. Vous voyez, on arrive vraiment à remarquer donc quand on est capable de discipliner nous-mêmes. Il est très facile pour ça, c'est un démon. Très, 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 très facile, vous voyez. Ou discipline-nous dans la vie de prière, ou être maître de vous-même. Ce n'est pas le diable qui contrôle toi. Ce n'est pas le diable, tous les rois. Tu régnes par Jésus-Christ, tous les rois. Amen, amen. Bien important, ça, mes frères et mes sœurs. Dans le royaume de Dieu, nous tous nous bannons les rois et la reine. Tous les grands matins, moi, me dire, moi, Jésus-Christ est le roi des rois, moi, les rois ont Jésus. Jésus-Christ est le Seigneur des Seigneurs, moi un Seigneur en Jésus-Christ, moi un Maître en Jésus-Christ. Amen. Un Maître, c'est celui qui gouvernait, c'est celui qui maîtrise les choses. Vous voyez? Et bien sûr, mes confessions, les longues, lourdes, les personnelles, moi pas pour entrer en détail, lourdes, mais ça bout de là, mon besoin de dire où, afin qu'il vous ici ou comment dire. Amen. Parce qu'il y en a du monde, donc, une simple quelque chose de te connaître, moi pas qu'à sortir là-dedans. Je le perds. Non, 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 au quotidien, moi les rois. Moi qui prends une décision, moi si j'aurai un trône, d'ailleurs tu connais donc assis à la droite de Dieu en Jésus-Christ. En Jésus-Christ, Dieu le Père est assis, hein, sur le trône. Jésus-Christ est assis à la droite de Dieu le Père. Nous pas assis à côté de Jésus, nous assis en Jésus-Christ. Même position, même autorité, même domination. Ça, il est bien important que vous compreniez ça. Maintenant, nous, l'intelligence pour crier bien fort, non, elle n'est pas possible là. Surtout un esprit religieux. Mais on continue de dire ça avec vous-même. Il est obligé de vivre. Il y a quelque chose, mon voisin, dit pendant 5-6 mois, les larmes ont bien à l'aise là-dedans. Les larmes ont dit, elles sont sans effort. Mais auparavant, donc, il y a tout un combat complexe d'infériorité. Vous voyez, l'idée que tout à croire, une personne, une pensée religieuse. Mais puis, on médite l'or là. Puis il vit une réalité de la vie. Une semence, tu te mets dans la tête, tu as besoin d'un rosier pour lui pousser. Dans un jour, des jours, il n'est pas pour pousser, il n'est pas pour de bonnes fruits.
Vous voyez, la Bible dit nous très clairement, la semence de la parole de Dieu, les pauvres bonnes fruits, avec persévérance. Vous confessez 3 jours, pas tout, non, rien. Ah, yo, mon confessez, moi, comme Jésus, 3 jours. Oh mon Dieu. T'as des atouts qui viennent champion boxeur, champion football après 3 jours d'entraînement. Mais non, sois raisonnable. Amen. Le mot méditer veut dire avec toi-même, continue, dire avec toi-même, continue, dire et dire. Quand tu finis, te redire, te redire, te redire. Hein? Tous les jours de ta vie. À un moment donné, donc, tu n'as pas qu'à empêche-toi, croire là-dedans. Donc, ça qui est logique, de méditer là, il devient une réalité pour la gloire de Dieu. Amen, 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 merci Seigneur. Donc, nous, les rois, nous tous, chacun parmi nous, les rois en Jésus-Christ, nous tous, dans le royaume, nous sommes justes, parce que c'est le royaume de la justice, le royaume de la paix. Merci Seigneur, que le nom de Dieu soit béni. Ça m'a oublié d'une seule phrase, peut-être dans 2 ou 3 même. Nous tous, nous avons le même privilège, même grâce, pour approcher-nous du trône de la grâce, n'importe quand. Il n'est pas une question chacun se tour. Il n'est pas une question d'après l'ordre alphabétique. Mon papa ridicule qui se donne. Moi, mon crois, c'est une façon très très sage que le gouvernement finit organise ce genre d'affaires-là. Bon, vraiment, vraiment, vous dire, bon Dieu, merci, vous voyez. Donc, de sorte qu'il n'y a pas pour une confusion, pas pour une chaos, pas pour une désordre, tout en ordre. Mais dans le royaume de Dieu, donc, il y a des camps autour. Mon gain rendez-vous, tel jour, tel l'air. Toi, tu sors à ton rendez-vous avec bon Dieu. Toi, tu sors à ton l'air. Toi, tu sors à combien de temps tu envies de sa présence. Bon, disons, mais vous dire, mais tu ne fais des temps là, ou un nous nous causer. Non, 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 vous voyez? Vous voyez? Merci Seigneur, que le nom de Dieu soit béni. Maintenant, gloire à Jésus, vous pouvez terminer l'ours à point là. S'il y en a des plus grands principes par lesquels le royaume de Dieu lui fonctionnait, l'ours à point là. L'état m'a oublié ça, bien mis ça même, pasteur, ça même. Ah oui, ça même. Moi, vivre comme ça, je trouve un résultat du royaume, un bénéfice du royaume. Au bout de toi, il est là. Enfin, il est là qui te trouvait, tu es ici, donc, eh bien, esquis, donc, eh bien, tu peux vivre pareil. Il paraît comme une pièce lamonine à des côtés, les principes du royaume et tous les autres choses basées là. Il n'y a pas des principes là. La foi et l'amour. Par la foi, mon vie d'enfant de Dieu. Par la foi, mon continue vivre dans le royaume de Dieu. Par la foi, mon rentre dans le royaume, mon naît de nouveau. Par la foi, maintenant donc, mon réclame tous les bénéfices du royaume, toutes les grâces du royaume, tout ce qui est le royaume de Dieu capable d'apporter moi. Par la foi, rien que par la foi. N'avez pas un qui ne m'a pas pour gagner si je pas vivre par la foi. Nous ne prêchons l'orlan 3 ou 4 fois, 5 fois l'année dernière. Mais il y a une affaire donc, qui vaut la peine de répéter. Vous voyez, mais pas qu'à dire, dans le royaume, gloire à Dieu, je gagne tout automatiquement. Dire, non, tu as besoin de trouver le royaume là maintenant. Tu as besoin de trouver ces bénéfices du royaume vivre vrai de toute la vie. Tu trouves ça par la foi. Oh, et dans la santé, tu trouves ça par la foi, tu confesses par la foi. Oh, et dans l'abondance, tu es capable de dire bye bye pour tout le temps, dette, pauvreté, manquement et les choses pareilles. Hein? Alléluia, me trouve-moi puis être enrichi. Me trouve-moi puis gagner mon lacave. Me trouve-moi puis gagner mon moyen de transport. Me trouve-moi puis vivre propriétaire. Me trouve-moi puis vivre en bonne santé. La foi, la foi, la foi. Il y a une question de foi. Il y a une question de foi. Il paraît que Abraham, vous voyez, celle qui se par lequel tu veux vivre, la foi, la foi, la foi. Et puisqu'Abraham patinant l'autre, comme Abraham, il est tout seul, il est avec sa femme, et puis ses enfants. Mais nous, donc, nous pas tout seuls, nous sommes une famille. Et une famille, donc, ce n'est pas juste un démon, ça, ce n'est pas juste des démons. Et la famille de Dieu, elle est très, 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 très nombreux. Oui, si vous êtes content, tout. Content, ben frère, ben sœur, des assemblées de Dieu, de l'église chrétienne. Vous voyez, de Grace, donc, eh bien, l'église Grace, de, donc, eh bien, côté nos frères, pasteur Arikion, côté pasteur Kevin Permal, côté Simon Pensit, vous voyez, Pensit, un nom, ça ne veut pas dire mon pays ignore aux autres, n'importe qui s'en a qui naît de nouveau ou supposé content aux autres. Ou pas prétend, ou pas croire au plus grand qu'ils autres. Nous, content aux autres, vous voyez, ou prier pour aux autres. Vous ne pas prier pour ce bande pasteur là tous les jours, mais par occasion, vous prendre tous les temps qui besoin vous prier pour ce bande pasteur là. Amen, c'est mon bon frère. Hein? Je suis dans le même papa que moi, même Seigneur que moi, je suis dans le même royaume que moi. Merci Seigneur. L'amour, 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 l'amour.
Vous voyez, la foi et l'amour. Et n'a pas croire qu'il m'en finit Jésus tout l'eau, l'amour, là, nous retournons là encore. Et la foi, que le nom de Dieu soit béni, béni, béni. Alors donc, je vais arrêter là ce matin, parce que si je aborde mon prochain point, nous pouvons prendre trop beaucoup de temps, vous voyez. Mais je crois que je suis suffisamment, donc, eh bien, pour comme si je dirais, donc, eh bien, nous sommes capables de marcher, avaler, digérer, vous voyez, jusqu'à la semaine prochaine, concernant ce serment. Vous voyez, mais nous avons besoin de mercredi aussi, gloire à Dieu, et vendredi, moi, pour vendredi. Je suis content de te répéter cette prière avec moi. Seigneur mon Dieu, moi, dis-toi merci. Qui m'ont né de nouveau, me rentre dans le royaume de Dieu et me trouve le royaume de Dieu. Alléluia. Mon loué toi, mon enfant du royaume, la côte de Jésus-Christ et le roi, mon roi personnellement. Seigneur Jésus, combien me dis-toi merci. Tu finis livrer toi-même pour mes péchés. Tu finis arrache-moi de ce présent siècle mauvais. Tu finis délivrer-moi de toute ma misère de ce monde. À cause de ça même, me confesser qu'aucune misère de ce monde n'a pas qu'à vaincre moi. Mon refuge, tout ça, ma misère, là, pour permettre seulement les bonnes choses du royaume exister dans mon vie. Alléluia. Mon vivre dans le domaine du royaume de Dieu. Et la vie supérieure. Et la vie bénie. Dans le royaume de Dieu, n'a peine inquiétude. Jésus-Christ finit dire, ne vous inquiétez de rien. Cherchez d'abord le royaume de Dieu. Puisque mon vie dans le royaume, ne m'inquiète-moi de rien. Pareil que moi, toi, tu prends soin d'Israël. Toi, tu es le docteur. Celui qui pourvoit votre bande besoin. Celui qui bénit votre. Vous faites ta confiance. Tu es mon médecin. Et celui qui m'enrichit. Alléluia. Pareil comme pour Israël. Tu te garantis la victoire. Dans tous les combats. Moi, plus que vainqueur en toutes choses. Moi aussi, je me déclare moi-même toujours la tête, jamais la queue. Toujours en haut, jamais en bas. Quand je quitte la case, je bénis. Quand je retourne, je bénis. Tout ce qui m'a fait, m'a réussi. Alléluia. Merci Seigneur. Je comprends les mystères du royaume. Parce qu'il m'a l'intelligence. Alléluia. Merci Seigneur. Je donne-toi la gloire Seigneur. Je les clés du royaume de Dieu. Ce qui me permet de la terre, te permet dans les cieux. Ce qui m'a interdit de la terre, te interdit dans les cieux. Le royaume de Dieu, pour moi, c'est le royaume de la justice et de la paix. Parce que Jésus-Christ, c'est le Seigneur de la justice, le Seigneur de la paix. Amen. Puisque l'inmo pour moi, le diable pas qu'avant puisse moi gagner en rien. Il pas qu'à bloquer ma bonne bénédiction. Alléluia. Puisque Jésus-Christ est mort pour moi, je ne vais pas laisser moi être tourmenté, être fatigué, pour n'importe quoi que ce soit, qui que ce soit. Alléluia. Je jouis de la santé du royaume. Merci Jésus. Seigneur mon Dieu, tu appelles moi pour vivre dans la foi et dans l'amour. Je mets ma pleine volonté pour content les uns et les autres, pour faire autres du bien, pour prier pour autres, pour guider autres l'intérêt avant. Alléluia. Et mon Seigneur me prend la ferme décision pour croire. Moi, force moi-même pour croire dans toute bonne promesse, dans n'importe quelle circonstance. Que ton nom soit béni, Seigneur notre Dieu. Amen. Maintenant donc, eh bien, moi, pour encourager pour prendre la Sainte Seine. Si je tout seul, je prends les tout seul en famille, je prends les en famille. Je demande de tout seul, donc, et bien, qu'ils aient God, la dîme, l'offrande, afin qu'il étant l'église réouvert normalement, je vais amener tout un seul coup. Comment je fais l'année dernière?
Je suis vraiment réjoui à moi que l'année dernière, vous voyez, c'était le cas. Dans la plupart nous bannent l'église. On donne gloire à Dieu. Maintenant, pour, laisse-moi dire ceci. Pour mercredi, mon papa a un nouvel enseignement, l'onction. Comment me voir dans l'onction, pourquoi on les a des autres ça. Mais pour vendredi, c'est le jour que là nous supposons joindre tout bon leader. Mais mon patron aussi, hein, c'est pas le premier ministre pour, comme tu dirais, enlève le confinement avec tout bon zone rouge qui existait et bon cas qui se peut découvrir tous les jours. Vous voyez, on a tendance pour croire que peut-être le confinement peut durer encore 1 ou 2 semaines. N'a pas dit qu'il est négatif. Vous voyez? Alors, si tel est le cas, maintenant, si le pays est libéré et nous capables de réunir, c'est ce qui m'a préféré, ou venir en grand nombre mercredi. Ah, pardon, vendredi soir. Mercredi, nous pour confinement supposé arrêter le 25. Vous voyez? Alors, vendredi, vous venez à 8 h, l'église de Beaubassin, et nous pouvons donc pour nos réunions mensuelles de leaders. Si toutefois, nous papouina, nous pas encore dans le confinement, on peut le dire, alors, mon pavot, il y a un sermon. Vendredi soir, pour ban leader. De ce fait, nous papouina, sermon, j'ai dit tantôt, qui nous habitue à vous. Bon, alors, il y a un sermon mercredi matin normalement, qui est un sermon qui nous puisait dans nos bonnes archives. Nous avons un sermon mercredi soir maintenant, tout nouveau. Jeudi soir donc, un sermon aussi qui nous puisait dans l'archive. Mais puisque nous prenons un sermon vendredi soir, 8 h, je vous demande, le frère Emmanuel et Chou, pas envoyer aucun sermon pour jeudi tantôt. Afin donc qu'il a donc, eh bien, nous écoutons un sermon frais. Maintenant, qu'un sermon pas frais ne veut pas dire inutile, mais on pourrait dire nouveau sermon, vous voyez. Et vendredi soir, et spécialement pour Bandit 2. Et bien sûr, donc, eh bien, dimanche prochain, dépendant des situations, vous voyez, soit nous rejoignons dans l'église, soit donc, eh bien, nous rejoignons à travers Bandit Média. Donc, comme on dit, tout, vous voyez. Et me croire donc, eh bien, qu'ils ont une participe grandement dans nos rayons de leaders qui nous tiennent à vendredi soir à 6 h, comme on m'a annoncé, donc, eh bien, mercredi, nous pouvons donc, eh bien, vendredi soir, me croire une fête en grand nombre, que Dieu les bénisse abondamment, au revoir et que Dieu vous bénisse.